Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Nous sommes partis rencontrer les deux fondatrices de l'Institut au fil de l'eau à Colmiers. Entre coaching de vie, magnétisme et énergétique, elles vous accompagnent afin de devenir une meilleure version de soi-même. Je m'appelle Christelle Miranda. Au sein de l'Institut, je suis donc coach énergétique formée au Reiki. Je suis maître praticien Reiki. Je fais également de la réflexologie vietnamienne, des massages plantaires et je suis une passionnée de cartes et je suis formée à la tarologie. Donc. Le but de mon coaching, c'est de répondre exactement aux attentes des clients qui viennent. Toute personne ayant des objectifs différents, je vais adapter mes méthodes, mes outils aux besoins du client. Donc, chaque rendez-vous étant particulier et individuel, c'est une question qui est compliquée pour moi à répondre. Je m'adapte. Voilà, je suis la coach de vie spécialisée dans l'estime de soi, la gestion des émotions en psychogénéalogie et avec une méthode que j'ai développée qui s'appelle ELS, dont je suis la créatrice. La psychogénéalogie, c'est la façon dont on va accompagner les clients qui souhaitent découvrir ce qui leur appartient ou pas de ce qu'ils vivent dans le présent. Donc la psychogénéalogie, pour la résumer, c'est vraiment l'accompagnement pour rendre l'autre libre. On a des gens qui franchissent la porte par hasard, qui ont entendu parler de l'Institut, qui veulent juste au début être réalignés entre leur mental, leur corps, leur esprit. C'est OK. Et puis en fait, en creusant un petit peu et en ciblant la personne, on se rend compte qu'en fait, il y a des besoins qui sont plus profonds, il y a des choses de l'émotionnel à gérer. Et voilà. Et on va finalement accompagner, libérer ce qui est à libérer en termes d'émotions et faire en sorte que la personne reparte pleinement OK et alignée. Voilà.